Bonjour, alors une nouvelle vidéo pour aborder des plans issus d'un jeu, en tout cas inspiré du jeu d'un de mes harmonicistes préférés, Paul Butterfield. Et je vais les jouer sur un harmonica accordéon La, Cedel, Brodure, en os de mammouth. Donc c'est parti, je joue les plans un par un et puis je les ralentirai juste après. Deuxième plan. Troisième plan. Quatrième plan. Cinquième plan. Sixième plan. Et enfin, dernier plan. Donc je l'ai ralenti, on revient au premier plan. Donc ce plan-là ralenti, on va jouer salle, le 3 et le 4 en même temps. Avec le wah-wah. Ensuite on isole le 4 et on l'altère. Et on glisse vers le 2. Et on finit par un souffle 4. Ça on le fait deux fois. Altération du 3 d'un demi-ton, et ensuite 4 altérés. Donc on altère 4, on lâche 4, on altère 4 et on glisse 2. On le fait deux fois. Et enfin pour finir, on altère 4, on lâche 4 et on aspire 5. Avec un glissé, quand on altère le 4, on aspire le 4 juste derrière et on glisse sur le 5. La mâchoire, hein. Je refais donc le tout ralenti. Vitesse normale. Ensuite, le deuxième plan. Je joue vitesse normale. Ralenti, 2 aspirés, 3 altérés d'un demi-temps. Ensuite, sale, c'est-à-dire mélanger, 3-4. Mélanger en soufflant, 3-4. Et 3 altérés d'un demi-temps. Ceci 3 fois de suite. Troisième plan ensuite. Un plan aspiré avec tout enchaîné. On altère directement le 2 aspiré d'un ton. Donc on alterne un ton, on relâche, on altère. On glisse vers le 1 en aspirant. On revient vers le 2 altéré. On relâche le 2. On altère le 3 d'un demi-ton. Et là, on va souffler en glissant vers le 4. Donc c'est vraiment un geste qu'il faut obtenir avec l'harmonica et non pas réfléchir à ce que vous faites. On altère le 4. Et on libère le 4. Votre mâchoire devrait vous aider à jouer plus vite, hein. Ensuite, quatrième plan. Donc on glisse rapidement sur le 6 soufflé.
5, 4 aspirés. Donc 6 soufflés, 5, 4 aspirés. 4 soufflés, 3 altérés à la mi-temps. Et le plan 2 aspirés, 2 altérés. Donc 2 aspirés, 2 altérés, 1 aspiré, 2 altérés. Toujours d'un ton de altéré, hein, ça on est en blues. On aspire le 2 et le 3 d'un demi-temps. Cinquième plan. Attaque par une altération du 4, qu'on libère, qu'on attaque, et là on glisse vers le 2. 2 aspiré normal, hein. 2 fois, et la dernière fois on attaque un 2 aspiré avec une articulation à T. Sixième plan. Donc on attaque le plan par un 2 altéré d'un ton. On glisse, aspiré, 1, 2. Donc on aspire une seule fois pour glisser. Hein. Après on réaltère le 2 et on lâche. Même chose. On altère le 2, on glisse vers le 1, mais cette fois-ci, au lieu de reglisser vers le 2, on glisse vers le 4. C'est-à-dire qu'on fait un sauté de trou du 1 au 4. D'un 1 ré en grave en 1 inspiré, on passe au ré médium en 4 aspiré. Ensuite, on va glisser en effet sur le 4 soufflé pour revenir sur le 3 altéré d'un demi-temps. Enfin, dernier plan, assez rapide. Donc jouer normalement. Ralenti. On attaque le 4 altéré. Donc 4 altéré, 4 lâché, 4 altéré. 3 altéré d'un demi-temps. 2 aspiré et on revient sur le 3 altéré d'un demi-temps. 2 aspirés, 2 altérés. 2 Même chose pour le début. Et on finit par 4 soufflés, 3 altérés d'un demi-temps.